Alors, à qui s'adresse l'émulsion anti-imperfection? En fait, elle est très large, mais on travaille que des soins essentiels sur deux problématiques. Donc, on a l'huile régénérante qui est particulièrement faite pour les peaux en manque de confort, qui ont des rougeurs, voilà, qui peut s'utiliser en couteau suisse, en huile démaquillante, qui peut se mélanger à votre soin, s'utiliser seule avec une texture vraiment très légère. Eh bien, c'est la même chose pour l'émulsion perfection, perfectrice hydratante. C'est d'abord un soin hydratant pour les peaux plutôt normales à grasse, alors que l'huile sera plutôt pour les peaux normales à très sèche. Mais pour les peaux mixtes, on peut le mélanger à l'huile également sur les joues. Les textures se mélangent très bien sur les zones sèches. Donc, on s'adresse aussi bien aux filles en période de puberté qui ont tendance à voir leur peau changer avec des imperfections que à toutes ces femmes adultes. On estime que c'est plus de 50% des femmes qui souffrent régulièrement d'imperfections. Donc, c'est vraiment le soin hydratant qu'on peut mettre au quotidien qui va être très doux, qui va booster le collagène de la peau, qui va renforcer la barrière cutanée, qui va vraiment aider à avoir un meilleur teint et une peau en meilleure santé. Et en plus, il va jouer sur la bactérie P. acnes en limitant l'inflammation et donc en permettant d'avoir une peau beaucoup plus nette pour celles qui ont tendance à avoir des imperfections pendant leur cycle ou régulièrement.